Nous sommes le mercredi 23 septembre 2020. Bonjour, bonsoir tout à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des formations. Bonjour Moïse. Bonjour Linger, bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Jacques, là où tu es. Et déjà, bon séjour. Vous avez un bon séjour. En tout cas, c'est bien Jacques, bon séjour à toi. Nous sommes très contents, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce matin pour la troisième sortie de Pacifique Matin pour cette semaine. L'actualité avec Sandy Mathieu Moïse. Le président de la République qui passe à l'offensive en installant les 9 membres du CEP au Palais National hier mardi, malgré le report de leur prestation de serment par la Cour de cassation. Report de la cérémonie de prestation de serment, justement, des membres du Conseil électoral provisoire à la Cour de cassation. Un désaccord entre les juges de la dite Cour serait à la base de ce renvoi. Alors que la Fédération des barreaux d'Haïti s'oppose à la prestation de serment des membres du nouveau CEP à la Cour de cassation, l'arrêté nommant les 9 conseillers électoraux est frappé d'inconstitutionnalité selon la Fédération des barreaux d'Haïti. Et signature ce mardi d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement et des membres du secteur privé des affaires autour de l'application du communiqué publié par le ministère du Commerce exigeant que les prix des produits soient libellés en gold sur tout le territoire national. Et à l'étranger, soutenu par les Républicains, Donald Trump désignera la remplaçante du RGB samedi. Voilà. Et oui, bon, ce matin, vous le savez déjà, il n'y aura pas de billets. Alors, mesdames, messieurs, restez avec nous. On vous retrouve tout de suite après. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Une édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Marius Sylvain et nos classes Debreus, réalisation Olivier Bouchereau, micro Moïse Saint-Éloi et Jean-Fouché Dangereau. Bonjour Moïse. Bonjour Dangereau, bonjour tout le monde. Puis nous parlons directement au niveau du Palais National où le président de la République, Jovenel Moïse, et lui-même est passé à l'offensive, monsieur Saint-Éloi, et président de la République là. Et fait installation, lui. Il est tout chargé. Oui, et malgré nous connaissons qui sont dans la Cour de cassation, donc le président lui-même, il procédait avec investiture 9 membres du Conseil électoral provisoire dans le Palais National hier. Jean, nous tous nous connaissons en pile, parler en pile, t'es fait dans la Cour de cassation hier matin. C'est une prestation de serment qui était supposée faite depuis à 10 heures, mais il y a eu plusieurs instabilités qui était cause que Jujio pat décidé procéder avec investitura un paquet de mésentente entre Jujio, ça qui dit que yo pat jam au courant de ça et l'autre qui pas vini du tout. Donc c'était une véritable cacophonie hier dans installation ou encore dans investiture dans prestation serment et 9 membres conseil électoral provisoire alors que le chef de l'État fonce droit au but en installant les 9 membres du conseil électoral provisoire au cours d'une cérémonie au Palais National en dépit du renvoi de la cérémonie de prestation de serment de ses conseillers devant la Cour de cassation. Le chef de l'État a indiqué que la voie des urnes est la seule qui permettra de créer la stabilité nécessaire à l'établissement de la démocratie en Haïti. Le représentant du secteur syndical, le CEP, qui a pris parole pour l'occasion, se dit conscient des défis qui attendent les conseillers. Patrick Numa a essayé de rassurer la population que lui et ses pairs feront œuvre qui vaille dans le cadre de l'organisation des prochaines élections dans le pays. Et il faut que nous souligner que le président de la République, là, dans la déclaration que l'été fait hier, il fait qu'on est, c'est pralioun
plus bon conseil électoral que le pays a connu. Parce que d'après lui, il y a tellement pour le travail bien, il n'y a pas prend longtemps, sinon quelques jours après l'organisation des élections pour qu'il y ait fait publication résultat. Jovenel Moïse t'a montré qu'il est très optimiste et très confiant dans conseiller électoral. En fait, conseiller électoral, d'après lui, qui pourrait faire un travail important au cours de travail qu'il y a bien pour faire. Le président de la République, Jovenel Moïse, qui encore une fois a demandé à ce que l'autorité et la justice, et puis responsable, la police, capable de prendre toutes mesures, puis assurer sécurité. Membre conseil électoral provisoire, nous permettre à ce qu'on suive un extrait dans l'intervention Jovenel Moïse, président de la République, lors de cette installation. Vu d'apporter leur pierre à l'édifice qu'est la démocratie. Le conseil électoral est un outil important de préservation de l'équilibre démocratique. Je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce conseil électoral provisoire. C'est dans un contexte particulièrement difficile que vous avez pris la décision de servir la République. En acceptant de devenir membre de ce conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques, vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de positions diverses. S'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder, c'est le besoin de stabilité dans le pays. Cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple, à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi,
Je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ses organisations et de ses pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoique ambitieuses, mais nécessaires. Voilà, vous venez d'écouter la déclaration du président de la République, Jovenel Moïse. Patrick Numa, le représentant des syndicats au sein de ce conseil électoral provisoire, a pris la parole hier au nom de CPR Moïse Saint-Éloi. Oui, Patrick Numa a essayé de rassurer la population que lui et CPR feront œuvre qui va dans le cadre de l'organisation des prochaines élections dans le pays. Patrick Numa. A vu le jour, dans un contexte sociopolitique et économique difficile, cela nous permet de comprendre les appréhensions de plus d'un secteur. Elles sembleraient justifiées dans une mesure relative à une pratique électorale en Haïti. Mais toutefois, loin de vouloir être prétentieux, l'état de droit envers lequel nous rêvons tous pour léguer aux générations futures un pays où la convivialité et le bien-être collectif sont désormais les fondements de l'ordre social. Ce conseil a vu le jour dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Cela nous permet de comprendre les appréhensions de plus d'un secteur. Elle semblerait justifiée dans une mesure relative à une pratique électorale en Haïti. Mais toutefois, loin de vouloir être prétentieux, nous sommes plus que déterminés à dissiper le moindre doute pouvant constituer un obstacle à la participation de tous les secteurs. Nul n'ignore que cet idéal façonné des aspirations ancrées dans l'âme de notre bien, de notre vaillant peuple, ne saurait se concrétiser sans l'alternance caractéristique de la démocratie dans la conduite
de la bonne gouvernance. Réunis en ces instants significatifs et probants où il faut renouveler les mandataires de la nation, ce Conseil doit maintenir à travers les tâches qui lui sont assignées, les institutions chargées de contribuer à l'avènement de l'ère nouvelle bénéfique à tous les fils de la patrie commune. Notre vocation n'admet pas d'équivoque. L'accomplissement de notre rude et combien noble mission viendra consolider les acquis régaliens en facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques indispensables au progrès espéré pour par tous les citoyens. Ce collège entend assumer dans la stricte indépendance la responsabilité de doter le pays des élus issus d'un scrutin loyal et encourage les jeunes et les femmes à comprendre l'enjeu que représente la tenue des élections impartiales dans la formulation des stratégies visant la réduction des inégalités sociales pour un nouveau pacte républicain. Les nous parler, côté nous dit par un doute que le Conseil ça par une mission pour préparer l'élection, c'est que nous avons organisé une élection en transparence qui a pris une honnête, crédible, démocratique. Et c'est dans ce sens ça que nous n'avons pas de doute. Et côté que nous avons voyé tout en salutation et gros coup de chapeau à toute organisation qui est intéressée dans les affaires élections. L'impalé, nos mêmes conseils-là, nous pas dans question. On a toujours gardé l'impartialité, nous, mais ça concernait plus les partis politiques. Et je dis, nous prenons destiné conseil ça en main pour que neuf membres mettent tête ensemble pour un travail, un albaï, stabilité dans le pays, main dans la main. Merci beaucoup. Et bien avant de recevoir notre premier invité pour ce matin, rappelons que la prestation de serment d'un membre du Conseil électoral provisoire n'a pas eu lieu comme prévu à la Cour de cassation. Un grand désaccord entre les juges de la dite Cour serait à la base de ce renvoi. La cérémonie avait à peine démarré quand certains juges ont choisi de se retirer de la cérémonie. Alors que la Fédération des barreaux d'Haïti, FBH, s'oppose à la prestation de serment d'un membre du nouveau CEP à la Cour de cassation, l'arrêté nommant les 9 conseillers frappés d'inconstitutionnalité selon la Fédération des barreaux d'Haïti qui a adressé une correspondance au juge de la Cour de cassation. En effet, la Fédération des barreaux demande aux honorables juges de la dite Cour de sursoir à toute cérémonie de prestation de serment conformément à la Constitution. C'est ce que nous pouvons lire de cette note de la Fédération des barreaux d'Haïti. Alors, ce qu'il y a là, la FJKL qui, dans un communiqué, qui se montre en désaccord avec la formation du nouveau CEP, la Fondation J'éclairé a pris connaissance de l'arrêté de nomination par cooptation du Conseil électoral provisoire publié au Moniteur du 18 septembre 2020. La FJKL note que cet arrêté, en son article 2, accorde au CEP nommé dans les conditions de la clandestinité le mandat d'accorder le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution en violation de l'article 284.3 de la constitution en vigueur qui dispose que
Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. L'arrêté nommant les conseils électoraux et fixant le mandat du nouveau CEP viole également les dispositions des articles 282 et suivant de la Constitution traitant des amendements. Cet arrêté fait suite aux déclarations du président de la République laissant entendre qu'aucune élection ne pourra lui enlever le pouvoir. La FJKL croit que le fait de mettre en place un CEP par cooptation démontre la volonté de l'exécutif d'aggraver la crise politique actuelle par une profonde crise électorale. La FJKL rappelle qu'historiquement, les changements de constitution intervenus en violation de la constitution en vigueur et sans aucun consensus politique ont toujours donné naissance à des dictatures féroces et sanguinaires, comme ce fut le cas avec Dr. François Duvalier, qui avait instauré la présidence à vie. La FJKL rappelle également que la procédure tracée par l'amendement de la Constitution en vigueur est un mécanisme efficace de protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution. Toute tentative de violation de cette procédure constitue une grave menace pour l'état de droit et une volonté manifeste de soumettre les citoyens au pouvoir personnel et à l'oppression par la force des armes et la complicité internationale. Tout excès dans l'exercice du pouvoir politique est une forme d'oppression politique. La Constitution est un texte solennel et sacré, intouchable par les décideurs politiques, faut-il le rappeler. C'est signé FJKL le 21 septembre 2020. Ben oui, il est difficile pour nous parler avec Moudio Matin. Par contre, il y a ça qui va arriver passer. Mais nous avons un lien avec nous. Il y a un avocat de la Fédération Barreau d'Haïti qui s'est Maître Robinson. Et Pierre, lui, avec lui, nous prend laisser égaler par rapport à notre que Fédération Barreau d'Haïti mettait dehors. Et il a été écrit directement en lettre ça à responsable, on dit à juge, non, et cour de cassation. Yo. Maître Robinson, Pierre, lui, bonjour. Merci un peu pour vos disponibilités. Bienvenue sur Pacifique. Bonjour, bonjour Pacifique, bonjour tout auditeur, et vous connaissez tous les gens. Il y a privilège même pour nous parler sur Pacifique. Et maître lui, et là, nous écrit avec et coulant pour être capable de sursoir sous et cérémonie prestation de serment qui était supposé faite hier matin des membres du nouveau conseil électoral provisoire. Pour qui ça a soufflé? Pour qui ça, c'est une belle question, pour qui ça a écrit, parce que c'est institution à institution et cassation, ainsi que la fédération et tous les deux engagés et pour être capable de protéger la société. Donc, la cassation, c'est la plus haute instance de justice d'un pays. Et la fédération, c'est le regroupement de toutes les juridictions du pays. Et ils sont là pour justement le travail ensemble, pas dans le sens qu'ils ont fait le même bagaille, mais le chat qui est allé dans l'île, et le résultat, ils vont protéger la société. Et pas oublier tout le coup, dernier recours, c'est devant cassation pour le faire, et cassation sont gardés liés pour la société, dans le sens que protecteurs, sont protecteurs que liés. Quand il y a violation de droit, quand il y a violation de la Constitution, quand il y a dérive, la Cour de cassation devient un rempart. Un rempart, ça, c'est lui-même qui est là pour préserver les valeurs. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier limite, côté aucun, pas de respect pour personne, pas de respect pour la loi, pas de respect pour le droit. Nous avons une mouille basse par là, nous avons une violation flagrante de droit qui est faite tout partout et que l'exécutif là, est au niveau qui est dépassé. Côté de la constitution qui est claire et qui dit que les bagages n'ont pas qu'à faire la donne, les bagages n'ont pas qu'à faire la donne, c'est tout. Et malgré tout, le monde qui est sûr qu'il n'y a pas avancé, eh bien, fédération, il y a une guerre, on parle toujours, puisque c'est une garantie, le droit de la défense. Mm-hmm. Et société, il y a même les responsables pour compter. C'est la loi qui crée, il y a même avocat pour protéger. Eh bien, on dit, sans jouer, on parle, on va les croire dedans encore parce que. Pour que le mal puisse triompher, il suffit qu'il y ait l'inaction des gens de bien. Bon, nous-mêmes, en tant que nous qui avons responsabilité, nous, peu importe les conséquences, nous disons non, ça ne va pas continuer.
et nous écrit à la Cour de cassation pour lui dire de suspendre à plus qu'à ce terme parce que c'est inconstitutionnel. Et puisque c'est inconstitutionnel, cassation la voulu protéger la constitution en tout, ben voilà, il fait droit avec deux notes noires. Par rapport avec cette question de déconstitutionnalité, c'est à quel niveau lié? Est-ce que c'est par rapport avec nomination et qui fait des membres face au fait là, ou encore c'est par rapport avec point qui t'a concerné particulièrement et référendum que président t'a ébaillé mission, bon, on dit plutôt exécutif là, t'a ébaillé mission à nouveau conseil là? Bon, écoutez, vous êtes avisé. C'est à tous les niveaux, c'est à tous les niveaux, c'est pas question de nomination seulement, ni la mission. Donc oui, c'est à tous les niveaux et ça arrive le besoin d'un danger. Et nous disons qu'on va continuer à fonctionner pour ça. Enfin, il faut que nous joignions des mondes qui mettent des soins à des niveaux. Et pour le faire, c'est au niveau des institutions. Mm-hmm. Et même ça qui est étonné, moi, c'est que, ouais, malgré nous, nous avons des paiements, il y a installé le pizza au hasard. En matière de l'administratif, on va vous dire seulement, on a beaucoup de choses à faire. On va nous dire que nous n'avons pas fait. On va nous installer, comment on peut installer, qui mission, qui sont mal fait, qui est la milité au bout de faire. C'est là qu'il y a souvent les dévances. Donc ça, c'est à se demander. Mais regardez où est que nous voulons aller dans le dérivant, où est son détermination, son conviction, et où demander si par exemple, nous disons du mot, pour les étapes, pour mettre barrières, pour bloquer ça, donc nous pensons que nous n'avons même pas la situation encore, en fait, donc nous pensons que mais nous, on est là, on va arriver dans notre avant. Et quelle que soit la conséquence qui est arrivée, nous, j'ai eu de la décapée, nous, qui n'avons pas pu ces missions accomplies, ah ben, tant pis, nous, on va décapée, et nous, espérons qu'il n'y a pas continué à faire. Non, en même temps, tout, nous, d'après, en tant que avocat, parce que nous, on va pour nous faire, nous, on va nous commencer à faire, parce que je dis, on a bien information, ça qui vient de faire, et ça qui est de planifier de faire. Gagné secrétaire général et conseil des ministres Yo qui c'est et Renal Luberis qui hier et tweeté pour dire que eh bien il souhaitait et courage intégrité dévouement avec impartialité et avec mon conseil électoral ça et par la suite il dit eh bien et article 194-2 qui mentionnait il dit que d'après Renal Luberis c'est les membres du conseil électoral permanent qui t'a supposé prêter serment devant la Cour de cassation et la Cour n'a pas parlé de les affaires qui ont pour avec même conseil électoral provisoire et moun sa d'avoir monsieur et yo calé depuis installé et puis yo commencé travail. Allez Moïse écoutez. Quoi ça m'a dit pour que ça obligé faire. Pas plus pour vous faire une cassation pour vous faire. Si vous déconnez votre arbre, vous avez besoin de faire des magouilles, vous avez besoin de faire des donc, nous connaissons. Donc, on fait ça ouvrir. Même, ma vie, ok, pourquoi il y a, vous pensez que ça fait ça ouvrir, mais vous prenez ça après. Et ma maman dit que si je prends ça à faire, parce que, après un jour, on a une erreur, après des autres comme ça. Fabrice, tout ce qu'on fait, c'est seulement lié à vos récoltes. Et la révolte est toujours supérieure à la semence. Mais même Pierre, lui, si toutefois, il fait investir, bon, il fait investir sur l'ailleurs, qu'on a fait installation dans le KEP pour tout le monde prendre bureau, etc. Qu'est-ce qui est arrivé là ça? Bon, nous avons exposé Pétio à toute cette carrière et toute conséquence qui est arrivée. Parce que là, on va un petit peu moins de qualité. Tant que tu ne peux pas vraiment que la qualité doit agir. Et je connais ça. Et tout le monde va. En matière de droit administratif, le serment, c'est le même qui habilite au bout à contribution. Tant que tu ne peux pas seulement, tu n'as pas qualité pour accomplir et la mission qui te destine. Elle dit que l'élection que juge électeur au Sahara a réalisé, et il est capable de mettre le pays à non plus problème et par la suite, je dis à la. Mais comment est-ce que côté élection de la place-là? Bon, regardez. Bon, comme on va demander de nous faire confiance en matière d'électeur. D'ailleurs, bon, si vous ne pouvez pas prêter seulement, vous ne pouvez pas respecter aucune loi. De toute façon, quand il y a une contestation électorale, une contestation électorale là, décision va venir, oui, mais
Mais bien lui. En tout cas, et là, c'est ça que... Parce que nous, nous parlons dans le code que nous bloquons, nous avons là, c'est souhait. Même qui est-ce que c'est 8 par rapport à notre part? Là, c'est souhait pas où? Pour moi, nous parlons, nous connaissons, parce que nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous tous les supposés démissionner, nous parlons, et puis quitter les choses, nous régulariser, nous faire un bon résultat. Oui, mais... Ça, on est dans notre détermination que nous parlons, nous devons déterminer pour accomplir une mission spécifique, et créer le mal dans ce pays où on amplifier le mal. Pour amplifier le mal, nous. Mais Pierre, lui, là, il y a le président de la République, Jovenel Moïse, qui gagne en confiance de jour en jour. Par exemple, toute décision Jovenel Moïse prend déjà là, qui est contestée par la population, par la société civile, par la classe politique, eh bien, décision passée. Nous avons pris un premier exemple, question budget, que le devine avec. Là, plus le monde a dit c'est budget et qu'il a cap sous ses 100 moun, etc. Mais ça passe. Livine avec décret, code pénal, question et sinu. Ça passe. Et je dis à là, on a senti que le président, par rapport avec mais déclaration. Oui, mais là, pas grand-rien que dit. Nous connaissons déjà. La fédération a déjà eu sa position sur cette affaire. Tous les décrets pris par le président sont inconstitutionnels. Nous connaissons déjà. Mais nous avons été affirmés. Nous affirmons au niveau de la fédération. C'est arrêté. Tous les décrets sont inconstitutionnels. Nous connaissons ça. Et tout ça, l'équipe, nous avons dit, par exemple, tout ça, tout acte posé, nous connaissons inconstitutionnel. Bon, le budget, il est avancé. Quelle avancée? Mais, pas privé. Je vous ai dit, c'est à vie. Il mourit, puis tout le bloc, puis tout le monde mourit. Ça veut dire pas de question à vie encore dans le monde, après que ça a l'air existé. Et je dis à nous, on n'a pas reçu. Pas oublier qu'il y a un seul de gouvernement en Afrique qui était dans la tête saufrée. Donc, pas oublier qu'il y a un cas de mal, qu'il y a la prison, etc. Donc, question à l'Europe, donc c'est pas une raison d'accepter le inacceptable média. Et donc, pas cette loi. Instance internationale qu'il y a, que ce soit coupé dans l'international, que ce soit commission de la de l'homme au niveau de l'ONU, que ce soit ONU, etc., au sein de l'Europe, en sorte d'institution qu'il a envoyé au monde à faire des ordres du haut de pouvoir, au monde à faire des violations flagrantes des droits de l'homme, au monde à non rester le monde avec les biens, le monde qui a fait, je veux dire. Et pour qu'à toujours qu'il y ait le monde, 10 mondes, 20 mondes, 100 mondes, 200 mondes, jusqu'à 1000, 10 000 mondes, on va tuer 1 million. Ok, on va tuer tout le monde. On va être sauvé, on va perdre du pouvoir, on va perdre du pouvoir, ça va pas, pour devenir caché. Dernière question. On va exposer tout le monde pour avoir mal, alors que si tu as protégé, on va appliquer la loi, on va l'application de la loi, et de la loi va protéger encore. Mais quand on veut la loi avec ce que vous avez fait, c'est qu'on fasse la loi, et bien après la loi, quand la loi, c'est une femme à une épée et qui a les yeux bandés. Et dernière question pour nous, monsieur, pour disponibilité ou bien Pierre-Louis. Est-ce qu'il y a une possibilité et pour coup de cassation et tourner sous décision? Et je dis à là, il y a une quorum et il y a une cérémonie pour station pour et juge et électoraux. Bon, par contre, la constitution pour voler la cour de cassation, les constitués d'hommes et de femmes, de valeur, de caractère. Et puis bon, nous sommes connus. Est-ce que par le bien nous dit ça vient de l'approche gouvernement? Oui. Est-ce que ça veut dire du tout? Ils sont obligés d'aller dans des livres sans respect pour leurs personnes, leurs familles, leurs renommées. Par contre, ça tout. Il y a un monde de valeur, moi-même, ça m'a mis espoir avant. Et il y a un intervalle de toujours de livre et la fin de justice pour l'IA. C'est que il y a un monde encore. Et nous partons sur nous, et l'histoire pour nous prouver au monde entier qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays. Merci à vous, Pierre-Louis. Des hommes de caractère. Merci à vous, Frère Mkembela. Bonne journée. Merci. Voilà, c'était avec nous, Vincent Pierre-Louis et Fédération des Barreaux et d'Haïti, Moïse Saint-Éloi. Oui, mais Pierre-Louis n'a pas rappelé tout qui est responsable dans Barreaux. Port-au-Prince qui t'a fait un petit parler avec nous de comment ça allait même lier pour installation avec prestation de serment 9 conseillers électoraux provisoires. Là, nous, au niveau de Cafouaport, on a rappelé, j'en ai toujours fait chaque matin pour tes images là pour à travers coup d'œil sur télévision Pacifique, mais tout sous téléphone ou sous différents
plateforme réseau social yo nous au niveau de viaduc Cafarport n'a pas regardé vu qui baille sous Nazon particulièrement si toutefois mon nous t'as rien pour passer et chemin ça matin hein, au capable faire sans grande difficulté parce que d'après image que collaborateur nous y a bon là gagné y a une circulation qui accessible pour tout le monde même si nous avons un peu de monde qui campait à plein de machines matin hein, nous remarqué ça vraiment gagné en pile monde qui campait à plein de machines semblait que gagné des RT matin en pile chauffeur pas décidé mettre tête dehors et il y a en pile protestation tout qui a fait bon côté passager yo yo estimé que avant covid prix course machine yo té yon gens pendant covid livine yon l'autre gens et malgré que décision de confinement levé tout chauffeur kembe machine yo sous même prix a n'y a pas brené. Bon, bon, c'est ça, monter par descendre. Il y a pas plus ou moins monter par voir descendre. En tout cas, et quatre pelouses et n'a suivre et par rapport à ces monsieur qui fait hier là et sur l'empile de mettre la loi. C'est un pareil qui fait en dehors et des prescrits et constitutionnels et mais faut que nous dit que les proches du palais national qui eux-mêmes yo a défendre et tel ça. Et du bec et des ongles et son situation qui est compliquée par rapport avec Jean réalité a les mêmes liés on a supposé parler avec Auguste Dimisa et n'a pas essayé et fait contact avec lui et pour nous capable arriver et joindre une façon pour nous continuer et garder et comment situation les mêmes liés et qui ça qui a passé dans le pays d'Haïti, dernier jour, ça y est, un pays qui est compliqué. Mais entre-temps, il y a un premier ministre qui, hier, est dans la résidence officielle, Moïse Saint-Éloi, qui a organisé une cérémonie. Oui, signature ce mardi d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement haïtien et le secteur privé des affaires relatif à l'application des mesures d'affichage des prix de produits en gourde sur tout le territoire national. Prenant la parole pour l'occasion, le premier ministre Joseph Jout a indiqué que cet accord vise à renforcer des secteurs vitaux de l'économie haïtienne, mais également de limiter le financement monétaire. Le chef du gouvernement précise que cet accord est le fruit de plusieurs dialogues entre le gouvernement et le secteur privé des affaires. Jout Joseph. Au micro de Rigardin. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 31 août 2020. Deux, l'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Trois, un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. Quatre, la mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et cinq, l'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Voilà pour les déclarations du Premier ministre. Jout Joseph, de son côté, le représentant du secteur privé des affaires, Franz Bernard Kran, salue la justesse de la démarche, déclarant que la monnaie nationale doit avoir la primauté sur le territoire. Franz Bernard Kran promet que le secteur auquel il appartient va travailler conjointement avec le gouvernement afin de favoriser la stabilité du taux de change. On l'écoute. L'affichage en gourde, qui est une mesure que je qualifie de normale, dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays.
Nous avons eu pendant des années en Haïti une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui de toute façon devait être un jour corrigé. Depuis septembre 2018, un arrêté a fixé une décision du gouvernement d'alors de demander à tous les opérateurs économiques d'afficher un gourde. Le ministre du Commerce a pris un communiqué où il a donné 72 heures à tous les opérateurs pour appliquer la mesure d'affichage en gourde. Nous avons à ce moment-là commencé à discuter avec les autorités de l'État haïtien sur la façon de le faire sans provoquer des ruptures de stock, sans provoquer des problèmes pour les opérateurs et pour les consommateurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la signature de ce mémorandum. Comme je le disais tantôt, ce n'est que l'affichage en gourde qui nous concerne aujourd'hui. Cependant, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues dans ce mémorandum qui devraient permettre, si tout le monde fait ce qu'il a à faire. Voilà pour les déclarations de M. Crane, qui est l'un des responsables du secteur privé des affaires qui a été signé ce mémorandum d'accord sur l'affichage des prix en gourde. Nous sommes à Delma présent pour vous permettre d'avoir une idée de la circulation. Nous sommes pas loin de Delma 18. Nous continuons avec les informations. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé ce mardi deux journées de réflexion à Pétionville autour de la deuxième phase de la campagne de communication en réponse à la COVID-19. À travers cet atelier, les organisateurs évaluent les premières stratégies de communication afin d'apporter les modifications nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie, selon le docteur Laurent Adrien. Pour le directeur général du MSPP, Dr. Louis Adrien, cet atelier permettra de se préparer pour affronter la deuxième phase de la maladie. Dr. Louis Adrien, au micro de Rouven Saint-Phare et David Mercius. Jean-Ouen nous le dit là, son atelier de planification de nouvelles stratégies de communication que nous supposons mettre en place pour nous attaquer sans relais deuxième phase. Épidémie. M'a dit bien, l'aime dit deuxième phase, faut qu'on y va comprendre que m'te parlé d'une première phase et puis on y a une deuxième phase. Nous reconnaître que après 6 mois environ, donc que l'épidémie est arrivée dans le monde, quoi, si nous capables de dire comme ça, gagner des changements qui fait, gagner des avancées qui fait, gagner tout de nouvelles données par rapport à la maladie. Donc en Haïti, nous voyons que entre les maladies ont été arrivées en Haïti en mars 2020. Par rapport à Konya, tu as gagné toute une stratégie de communication. Donc c'est pour ça, avec partenaires nous, tout partenaire, particulièrement l'UNICEF, qui est partenaire privilégié ministère en termes de communication, soit fait coronavirus, soit fait COVID. Là, atelier de deux jours, ça va permettre que spécialistes en communication réfléchissent sur nouvelles formes de communication pour nous gagner par rapport à la maladie en Konya. De son côté, le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Faes, a félicité le gouvernement haïtien pour sa gestion de la pandémie. Plus de 5 millions d'Haïtiens ont été directement touchés par les messages de sensibilisation contre la COVID-19. 13 millions d'Haïtiens sont sensibilisés sur les réseaux sociaux et 10 000 points de lavage ont été également installés dans le pays, entre autres, a souligné M. Faes. On l'écoute. Alors je dois, au nom de l'UNICEF, féliciter le gouvernement de la République d'Haïti pour tout l'engagement et les efforts qui ont été déployés, particulièrement en termes de communication et de prévention au niveau de la population. Deuxièmement, je voudrais reconnaître tout le leadership du ministère de la Santé publique et de la population et le leadership de son Excellence, le directeur général, si présent ici à l'atelier. Je pense qu'il faut reconnaître aussi l'importance du partenariat qui a permis, depuis l'identification des premiers cas au mois de mars 2020, un partenariat important dans le domaine de la communication. Les institutions gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les associations de la société civile, les institutions religieuses et vous, les médias. Vous avez été au cœur du travail de communication et de prévention
au niveau communautaire et au niveau de la population en général. Alors, quelques chiffres pour montrer quand même ces investissements et ces résultats. Vous avez près de 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été directement sensibilisés. Et je fais allusion ici aux 10 000 points de lavage de mains. Je fais ici allusion à plus de 10 000 volontaires, jeunes, agents de santé communautaire engagés au niveau des communautés qui ont contacté, qui ont été en contact et qui ont sensibilisé directement les communautés, que ce soit dans le monde rural ou en urbain. Vous avez près de 7,5 millions d'Haïtiens qui ont été sensibilisés à travers les médias de masse, la télévision, les télévisions et puis les radios. Et enfin, près de 13 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été sensibilisés à travers les médias sociaux. Ben, là, voilà, j'en ai annoncé déjà, on a essayé de faire des considérations techniques et par rapport à cette question de référendum constitutionnel. Là, c'est une mission que le nouveau conseil électoral provisoire que le président Jovenel Moïse a mis sous pied. Nous prenons laisser garder comment la question ça, lui-même est capable de faire dans le pays d'Haïti. Nous avons un lien avec nous, et Bâtonnier, et Gounaïvla, Jackson et Jacques Kissé. En même temps, tout est troisième et vice-président au niveau de la Fédération des barreaux d'Haïti. Et Bâtonnier, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Comment vous allez? Bonjour, nous bien, grâce à Dieu, la Pembe. Maintenant, dans le monde qui a entendu parler de questions et référendum constitutionnel, qui ça bagaille ça veut dire, et Bâtonnier? Bon, et normalement, référendum, c'est là que ils ont consulté le peuple sur un texte de loi, sur un sujet donné pour connaître qui ça le peuple a dit, qui ça le voulait, pour sous texte ça. Ça veut dire, pour que l'on ait une loi, et puis, pour consulter le peuple lui-même la répond pas oui ou non. Non, s'il n'est pas d'accord, lui, oui, s'il est accepté. S'il est oui, lui emporter sur le non, texte à lui adopté. Sinon, emporter lui sur le oui, et bien texte à rejeté. Donc, mais le cas ça qui concerne nous en Haïti, côté le président de la République, M. Jovenel Moïse, lui prend un décret et lui demande pour le Conseil électoral provisoire là, procéder au référendum pour qu'il soit capable de venir avec une nouvelle constitution. Et pour être capable d'organiser élections législatives et présidentielles en 2021. Pour nous-mêmes, c'est un accro à la loi, c'est un scandale juridique. Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas le seul, c'est un parmi d'autres, parce que la Constitution en vigueur, en son article 284-3, qui dit toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. Donc, cet arrêté, c'est une violation flagrante de l'article 284-3 de la Constitution, parce que la Constitution dit qu'il est formellement interdit pour procéder de cette manière pour qu'il soit capable de modifier la Constitution ou changer la Constitution. Donc, c'est ça que fait la Fédération des barreaux, via son président, Maître Jacques Létang. Pas de temps pour que lui dénoncer ça. On dit que normalement, l'avocat, ils sont les défenseurs de la loi, ils sont les gardiens de la loi. Ils ont dénoncé ça et ils ont demandé au CSPJ, à la Cour de cassation, pour ne pas recevoir prestation de serment de Mounsayo qui est nommé en dehors de la Constitution. Voilà. Maintenant, par rapport à la Constitution, là, il n'a fonctionné sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée, c'est ça, maître? C'est ça, oui. Maintenant, je dis à la, comment est-ce que, si toutefois, nous t'as décidé pour nous modifier et constitution, si me permettez d'utiliser Timo ça, nous t'es capable de faire le souple? C'est pas nous-mêmes qui pour décider comment pour nous faire. C'est constitution, lui-même qui crafait. Voilà, pour que nous sommes capables de modifier la constitution. Dans le pays, côté état de droit, je ne pas quitter Bagayou. Maintenant, selon caprice au monde, selon volonté au monde, selon sa remet. Mais c'est la loi qui trace voie comment pour être capable de faire amendement en tant que constitution. C'est article 284 et suivant, c'est lui-même qui dit comment être capable
normalement fait amendement à la Constitution. Dans l'article 284, là, il dit l'Assemblée nationale ne peut siéger ni délibérer sur l'amendement si les deux tiers, au moins, des chambres, hein, des deux chambres, et le Parlement, et le législatif, et le Sénat, et la Chambre des députés, faut qu'il y ait deux tiers dans le Parlement qui capte d'accord pour que, vous parlez ça, les faits, pour que l'amendement les faits. Donc c'est à travers le Parlement, je dis, hein, si nous n'avons pas de Parlement, ah ben, comment nous capables nous prendre entamer nos bagages comme ça? Donc normalement, toute voie tracée par la Constitution, nous gardons, nous voyons que normalement le président lui-même, il fonctionnait en dehors de la Constitution sans qu'il n'ait pas respecté sa Constitution. L'on garde en plus, la Constitution aussi prévoit, en cas où pas gagner un conseil électoral permanent, comment on est capable de former un conseil électoral provisoire? C'est la Constitution qui prévoit ça. En cas où pas gagner un conseil électoral permanent, comment on est capable de former un conseil électoral provisoire? Là, qui organe, qui association qui pourrait mettre en tant que conseil électoral provisoire? Là, là encore, nous n'avons pas gagné rien qui respecté parce que nous n'avons pas qu'être le monde en tant que conseil électoral illégal là, qui n'a pas rien à sa constitution en dit, même qui a dû voter en tant que conseil électoral provisoire. Allez-y. Finalement, je pense qu'en Haïti, nous faisons choix, nous disons, nous mettons la loi de côté, nous mettons la constitution de côté, nous disons, la fonctionner chez les gens nous joignent, tout qu'on a fait ça au capable, ça au blé, l'on voulait, et je pense que là, nous faisons le conseil, ça a payé en danger, n'a pas allé à la dérive. C'est la catastrophe. Et nous prenons l'entrée et sous sa guimpo avec question conseil électoral là. Ça veut dire, est-ce que c'est une grande première dans l'histoire et Haïti et côté que le président accordé une telle mission, un député exécutif là accordé une telle mission à un conseil électoral? C'est pour la première fois en Haïti que nous tentons un conseil électoral gagner un mandat pour le faire référendum pour une nouvelle constitution. C'est pour la première fois et c'est du jamais vu. Non seulement le conseil électoral provisoire est mal monté, et mission n'a pas lié à l'inconstitutionnel. Donc pour nous-mêmes, c'est ça que fait la Fédération des barreaux. Comme à l'ordinaire, toujours le revoyer pour nous dénoncer ça qui n'est pas encadré avec la loi, encore la Fédération entraîne. Donc nous espérons que le président Rondeau, à comprendre que la travail pour nous-mêmes, les Haïtiens, pour le peuple haïtien, et que le peuple là, les différentes associations, ils ont même parlé, l'attendez, parce que c'est pour nous, là, c'est pour nous le président, c'est le président nous. Donc, il va d'abord être sous par rapport à sa nature, et puis nous visionner à sa étrangère à vie. Jovenel Moïse, président de la République, il est conseillé par, disons, capable, si je me permets, mais s'il a vu ça, des brillants avocats. Est-ce que je suis capable de dire. C'est incompétence brillant avocat ça yo et Jackson qui t'a la cause situation ça ou encore c'est une volonté absolue qui t'a gagné pour violer les lois de ce pays particulièrement la constitution. Bon, moi ouais, c'est une volonté parce que au temps de le grand conseiller du président de la République en l'occurrence maître Renaud Georges ce qu'il a dit à la radio. Donc il a démissionné parce que lui voyait pas jamais accepté consultation, l'aile par consultation. Il ne pas prendre et c'est très rarement qu'il demande une consultation. Alors que c'est lui-même qui est spécialiste en droit, qui vous conseille en matière de droit. Alors c'est ça, il dit, monde qui a caractère de paix. Si vous là, vous pas conseil dans un domaine, ou bien vous ne pas de conseil, ou bien l'on pas conseil, vous ne pas vous pouvez démissionner parce que vous pas conseil là, faire un gaffe, il y a plein de sous il y a c'est ou bien vous êtes compétent, c'est ou bien. Ou bon mauvais soit ou mal conseillé président de la République. Donc pour nous-mêmes, nous pensons que son projet que mon a gagné, son projet que le président a gagné, son projet que mon qui a fait le gagné, et il n'y a pas caché ça, il y a dit, il y a un point A, côté au sorti, il y a un point B, côté au calé, et sur route là, c'est qu'il y a monde qui a pris en face après accident. Donc on comprend que en président, il ne peut pas parler n'importe comment, il faut supposer sa président dit, il faut pour garder pour analyser ça et puis comparer avec l'action que l'a posé pour capable comprendre. Ça veut dire, nous-mêmes, par rapport à ça, nous comprenons que ce n'est pas incompétence conseiller,
fait, si nous capables de faire une déclaration de Renaud Georges. Et ce n'est pas aussi un bagage par hasard que M. le président a fait, mais c'est parce qu'il y a un projet, c'est un bagage volontaire, c'est un bagage qui voulait faire, donc on continue à aller avec le président et avec le pays, et qui n'est pas bon en réalité pour le pays, parce que le pays n'a pas jamais joué une voie de stabilité avec Jean de Hachette. Mmh. Vous souhaitez rappeler là, et M. Jackson, que n'a fonctionné sous l'égide de la et Constitution et 1987 amendé. Comment constitution ça a tracé et légalement pour le président pour t'amener campé plutôt et le conseil électoral dans le pays? Normalement, constitution prévoit conseil électoral permanent. Donc, conseil électoral permanent, il prévoit comment pour monter l'île et comment pour renouveler membres là-dedans. L'un, il dit qu'en cas où que nous pouvons gagner un conseil électoral permanent, c'est l'article 289 de la Constitution qui dit que nous sommes capables de procéder à un conseil électoral provisoire de 9 membres. Et il dit qui côté nous savons de sortir. Il dit qu'il faut qu'il y ait un membre que l'exécutif lui-même lui nomme. Il faut qu'il y ait un membre que l'église épiscopale lui baille. Il faut qu'il y ait un membre que le conseil consultatif baille. Cour de cassation de baille un membre. Organisation des droits de l'homme de baille un membre. Conseil de cultes réformés, à savoir l'Église protestante, de Bayon membre, et puis il dit que le Conseil national de coopérative de Bayon membre. Ça veut dire constitution non seulement difficile pour pouvoir mettre le Conseil électoral permanent sous pied, ou capable de faire un Conseil électoral provisoire, je dis mais comment le Conseil électoral provisoire a monté. Donc, si vous regardez là, vous pouvez, même monde de ta dit, par exemple, je dis que le réforme est envoyé en représentant, alors qu'il n'a pas passé par organe qui d'habitude qu'on voyait mon le conseil électoral là, sans plus son bagage passé, qui fait en cas de temps fini, son bagage qui fait dans les coulisses, alors vrai, mais maintenant le gros districteur, mon oui, mais... autorité en ce secteur, pas vraiment connaît, il a protesté que lui-même il a représentant. Mais Gemoun cap suivre tout, et M. Jackson, et Jacques qui dit que. Jocelyn Privert, ancien président qui a organisé la dernière élection, il n'est pas passé par même voie ça que la Constitution 87 amendée et lui-même était prévoit. Eh bien non, la position de la FPH, c'est un bagage objectif. Objectif dans le sens que quand on prend position par rapport à décret et président Jovenel Tafranio pour dire pour qu'il capable de bouger l'autre toit, nous-mêmes nous avons dénoncé ça par rapport à principe, ça nous apprend en droit. Mais même si le principe était comme ça avant, ça n'a pas empêché que nous dénoncions. Donc, je dis, on n'est pas pensé que Privé se faire, qui fait, il est capable d'avoir libre coup à un président cabinet pour continuer à faire, s'il était illégal. Au contraire, si tu étais un président avant qui te commet ton affaire, eh bien, l'un ou l'autre, il venait, c'est pour corriger. Mais est-ce que FBH, tu as la même position de principe, ça, sous Privé? FBH, chaque présent, il renouvelle les bâtonniers. Ça veut dire que nous n'étions pas encore bâtonniers à cette époque. Mm-hmm. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas capable de dire comme si nous étions en position de poids de mesure. Mm-hmm. Et souvenez-vous pendant quelques secondes, et M. Jackson, et n'a pas monté drapeau, n'a pas tenu tout de suite avec vous pour être capable de clôturer l'entrevue. D'accord. Il est déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures. Sur Radio Pacifique, on va suivre édition Pacifique Matin. J'ai annoncé depuis hier, on n'a pas regardé avec des techniciens en droit. Comment et question référendum ça que un pile monde en société a parlé jeudi à la Conseil électoral et provisoire l'installer
il fait cérémonie d'investiture ou d'installation hier dans le palais national sans prestation nécessairement au niveau de la Cour de cassation. Et FBH, nous avons écrit une note et pour nous demander à ce que le juge et la Cour de cassation n'ont pas cautionné et dérive exécutif là et par rapport avec la question conseil électoral. Ça, conseil après le travail, ça t'a supposé y qui ça, société, a, d'après vous-même, sur le plan technique, a bénéficié par rapport à travail, conseil ça, conseiller, juge électoral, qui va même prêter serment. Bon, c'est ça, nous sommes en Haïti dans la confusion la plus complète par rapport à l'agissement et à ICLO, autorité, parce que conseil électoral, ça a des plus mauvais conseil électoral qui est capable de monter en dehors de la loi. Ça qu'on l'a avant, nous, on a qui ça, il y a une crise. Alors que l'organisme de convoi représentant ou de convoi consultation, de convoi un minimum de consensus pour nous former conseil électoral provisoire avant nous. Mais malgré ça, il y a entré dans la crise, malgré des convoi participation, des convoi consensus. Je dis à nous n'avons pas de consensus, nous n'avons rien du tout, et le conseil électoral est illégal et même inconstitutionnel. Mais je dis à nous pas quoi que nous sommes capables de dire un lien. Un conseil électoral pour ça, qui c'est l'organisation des élections qui collent, qui va être pas honnête, bagaille qui va mettre des pays dans plus crime, qui va bien plus émeute, qui va bien plus temps, qui va bien plus bagaille, qui va mettre les pays dans un chemin côté le cas très dangereux pour nous, nous avons même perdu souveraineté. Mm-hmm. Parce que le peuple haïtien est en vision, parce que c'est pas là où il est, quand on arrive à pour ça, faut que tu vois que le chemin prend, c'est la voie privée. Donc, chemin nous prenons là, il n'y a pas de mener nous dans la stabilité politique. La mener nous dans un bagage catastrophique. La mener nous dans l'instabilité. La mener nous dans la division. La mener nous dans haine. La mener nous dans l'occupation. C'est là la mener nous. Mm-hmm. Parce que, pas de mener nous, mais il n'y a pas de ouvrir les yeux, fermer les yeux, croiser les yeux, regarder. Et puis, ouais, tout le monde est honnête dans un pays. Il y a tout pareil à faire de manière illégale. Et puis, nous ne pouvons pas regarder dans ça. Le pays ne pas fonctionner comme ça. La démocratie ne pas fonctionner comme ça. L'État du droit ne pas fonctionner comme ça. Nous devons retourner pour nous prendre route d'État du droit, route de démocratie. Par rapport à cette incertitude et qui gagne, et est-ce que nous sommes capables de dire légalement, parce que il n'y a pas de débat qui t'a supposé fait et par les élites et Jacques, je dis à là, nous pouvons quitter pour demander à la population à agir. Est-ce que légalement, il y a des actions qui sont capables de poser contre eux et ces juges électoraux qui n'ont même pas même prêté serment et devant la Cour? Normalement, ce n'est pas seulement contre un juge électoral, mais la Constitution qui est en vigueur, elle prévoit un organe qui est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, là, lui-même, lorsque on prend une décision, un décret, on prend une loi qui. Contraire à la Constitution, on est capable de faire un recours devant le Conseil constitutionnel pour attaquer les décrets, pour attaquer les décisions. Mais on a remarqué qu'il y a une volonté manifeste de tous les dirigeants haïtiens pour que nous ne pouvons pas mettre en série d'organes qui sont capables de faire des stabilités, qui sont capables de faire un contrôle. Par exemple, le Conseil constitutionnel ne va pas monter. C'est tout dernièrement là, et pas trop loin, pas trop longtemps qu'il y a monté CSPJ. Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais arrivé à un conseil électoral permanent. Donc, c'est une volonté manifeste pour qu'on soit capable de contrôler l'institution et pour capable de faire des choses aux gens oubliés. Nous ne connaissons pas tout ça, nous-mêmes, en Haïti, nous n'avons pas de réflexe de respecter la loi. Et nous toujours dit donc, la baïonnette est faite. Et puis, j'ai aussi là, dans le dicton. Donc, notre pareil, la loi, c'est papier. Donc, vous pouvez même penser que il n'y a pas créé organe ça pour nous capables d'attaquer là. Ça veut dire que l'on n'est pas capable d'attaquer sur le plan juridique par devant la Cour constitutionnelle. Eh bien, il ne reste que le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Mm-hmm. Le peuple est souverain. C'est lui-même qui paye dans la démocratie. C'est lui-même qui paye souveraineté à des élus. On peut dire paye souveraineté à des élus du exécutif, à des élus maintenant du Parlement. Lorsque pas gagné une voie légale pour attaquer une décision, il ne reste que le point de vue. Nous-mêmes, nous n'avons pas dit que normalement,
pour le peuple a fait des ordres, pour y avoir un conseil de bagages dans la rue, pour l'État nous gagner, alors que nous pas gagner, en réalité. Donc, mais, son droit constitutionnel qui peuple a gagné, lorsque le senti, normalement, que le bagage n'a pas parfaitement intérêt, pour que les campagnes disent non, c'est pour moi qu'on va juger, c'est moi qu'on voit. Si on ne travaille pas l'intérêt, je dis à moi-même mon carré. Donc, c'est ce peuple-là qui va être pouvoir, c'est le carré. Elle dit que légalement, pendant qu'on a parlé là, comme il n'y a pas cette cour et ou encore ce conseil constitutionnel, et légalement, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas fait et compter et nouveau même ça, qui allait dans un KEPA de manière illégale par rapport à sa cour rapportée là, M. et Jacques. Oui, normalement, c'est pour déclarer, on n'est pas capable d'attaquer parce que. Arrêtez présidentiel là, et plutôt. Arrêtez présidentiel là, nous n'est pas capable d'attaquer par rapport à la voie légale. Normalement, nous, la cour de cassation, pour le parler sur la cassation, nous sommes pour que. Il y a un monde qui dit que je parle avec eux, dit que le prestat forcément fait à diminuer. Je ne sais pas, je ne peux pas vérifier. Mais on m'a dit que oui, nous faisons le prestat forcément à diminuer. Mais comme nous ne sommes pas capables de vérifier, la presse me l'a que nous l'envoyons. Oui, mais hier, c'est vice-président et Coulin qui dit qu'il l'a renvoyé et il fait mes séances là. Moi, c'est le daron qui dit grave pour que par la suite, puis après la décision, puis il faut séance à Katimini. Bon, nous-mêmes, nous ne sommes pas relayés. Oui, mais nous qui avons sa vice-président Coulin par là, que l'a renvoyé, mais nous ne savons pas gagner aucune légitimité pour leur travail, ça n'a pas prêté serment. Et normalement, selon ça, la loi prévoit. En pays. Et pour nous, donc, monsieur Danger, c'est pas sa conséquence. Non, là, on viole la loi. La loi prévoit section 2, on viole. Là, que vous prêtez serment, parce que le conseil électoral, là, mon conseil électoral, c'est un gros fonctionnaire de l'État. Le président de la République, il est le garant de cette institution. Il a prêté serment pour faire respecter la Constitution. Et il y a un article 21 de la Constitution qui parlait de crimes de haute trahison. Lorsque vous-même, vous avez une mission pour que vous fassiez respecter la Constitution, alors que vous violez, la Constitution dit que vous commettez un crime de haute trahison, ça veut dire passible de sanctions que la Constitution elle-même lui prévoit. Ça veut dire, et c'est pas sans conséquence, là, on veut nous prendre plaisir pour faire partie d'un plaisir pour capable d'accomplir le projet. Normalement, on va violer la loi, on va violer la Constitution. La Constitution prévoit section contre dans ce sens-là. Et Jovenel Moïse et M. Jacques, et c'est un président qui gagne en confiance par rapport à la dernière décision qu'il prend, décret et qui prend ce code pénal. Bon, ces différents décrets et que l'il prend que société a campé en fâche, mais malheureusement, ouais, il a joué. C'est seulement décret, code pénal là que tu as supposé appliquer dans 2 ans, mais gain que tu as supposé déjà pas appliquer là. Gagner et décision que tu prends par rapport avec budget exécutif là, tu voyais dans le Parlement, que tu dis c'est budget criminel, budget a passé. Gagné question pays loc qui t'est venu pour chavirer gouvernement président Jovenel Moïse là, l'icampé pirette, c'est-à-dire Jovenel Moïse gagne en confiance. Ces différentes décisions, même si on dénoncé par la population, on dénoncé par les élites du pays, mais décision yo allé, yo passé. En prend cas côté que conseil électoral ça, il vient là travail et selon article 3 ou 2 ou 3 en dedans et décret pardon et arrêté présidentiel là pardon, eh bien yo allé dans sa gain pour avec référendum constitutionnel là. Qui ça nous attend nous dans la société là? Mais je crois que je vous ai déjà dit, on ne peut rien attendre de bon, que de mal en pire que bagage nous prenez. Parce que depuis où je vois frustration en tant que société, on s'est été appelé pour vivre en harmonie, on s'est été appelé pour vivre dans la collaboration des institutions. Depuis où je vois des frustrés, depuis où je vois des moules, qui fonctionne d'un pays normalement, qui n'est pas capable, qui n'est pas senti bien, qui n'est pas senti bien avenir en tant que pays, et n'est pas capable de dire monde qui n'est pas taillé pour nous vivre à l'étranger, et bien, monde ça y est, pour aller camper dans un bagage pour faire obstacle, pour mettre des sacs, mettez-nous là, parce qu'on ne peut pas entendre que, dans tant que président, il y a quelqu'un qui a fait encore. Parce que l'atmosphère, l'ambiance politique, l'ambiance sociale, ne permet pas de travailler, parce que gagner. Trop de mécontentement, trop de frustrés, trop de monde normalement qui sentit que, et côté pays après aller à l'aéroport en sécurité, trop de monde, vous comprenez, après j'en débarrasse à l'aéroport. Donc, lorsqu'on est président, cap travail, ou bien on dirigeant, c'est même tous les présidents qui ont appris à ça, de où est tout le monde mécontent, tout le monde frustré.
écrit, tant qu'on a parlé mal, pour que vous devoir camper pour consulter, pour nous faire un consensus, pour nous dire, écoutez, nous allons, mais ça n'a pas fait, mais dans combien de temps, les Antilles sont capables de construire une société qui solide, une société qui prospère, c'est dans l'unité, c'est dans l'union, c'est dans l'ensemble, c'est dans la concertation. Donc, c'est toute institution qui a décidé, toute bagarre qui a décidé, si on est la Bible là, tout royaume du pays sera détruit. Donc, nous n'avons pas rien capable de conseil électoral là, des salles françaises, des référendums français. D'ailleurs, vous ne pouvez pas même connaître, vous n'avez pas rien capable de faire légal, parce que pour qu'on bagarre légal, il faut gagner un petit peuple là. L'on pas dit un petit peuple là, on y a un peu versé dans l'illégalité, et puis ça va mener, malheureusement, même pour quitter le compte. Et genre de décision, ça le local payer tout parce que si il n'y a pas fonctionné, si il y a sécurité, si il y a d'autres sécurités, c'est nous tous qui payons payé pour qu'à faire. Merci un peu, et M. Jackson, Jacques. Nous te contentons de Balboussakou, Kembela, et à bientôt. C'était à moi de vous remercier. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, et bonne journée. C'était avec nous le bâtonnier des goûts naïfs, M. Jackson et Jacques. Avec une d'avis égardé, eh bien, et n'en a pas le continuer probablement à tout à l'heure, parce que maintenant, on a fini à 9h. Il n'y aura pas de billets et de Jacques avec d'autres interventions techniques pour nous capables mieux comprendre ce qu'a dit, ce qu'a fait par bon ici. On va observer une pause, restez avec nous. On vous retrouve toutes ben, les mots du doigt, bien sûr, le mot du doigt. On va apprendre le mot du doigt et tout de suite après le mot du doigt, ce sera la pause. Pour qu'on doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien, à cloner ou dignité ou liberté ou. Pacifique FM a présenté ou, le mot du droit. Droit mental qui pour fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Dans le sens figuré, dans le trafic d'influence, ou est d'abord trafic qui soutient dans l'italien, trafico, qui rapporte à un commerce illicite. Raquette, mauvais deal, dans le sens trafic drogue ou bien trafic zam, ak influence lan li même ou encore influencé, qui se action yon moun pour aller en l'autre loin, menen le pré, en diosil pour mettre en bas pour yet li. D'où, en droit, pour ne pas clair, dans le pays d'Haïti, d'après l'article 5.9, loi 7/2014 sur prévention et répression phénomène corruption, de pas parler de trafic d'influence. Ou fait référence à situation yon moun qui utilise influence réelle li genye ou bien li supposé li genye pour le servir comme intermédiaire bon côté yon autorité publique ou bien fonctionnaire l'état pour le carver joindre que ce soit yon travail, yon contrat, yon marché public, yon décision favorable pour l'autre moun ou bien yon institution à condition gen l'argent qui raché ou bien gen promesse l'argent qui fait ou bien avantage quelconque dans cadre deal ça. Plus généralement, trafic d'influence là mettait en présence particulier ou bien institution qui offrit l'argent, ou bien fait promesse l'argent, ou bien n'importe autre bagaille là. À autorité à tant qu'un président, même cabinet en président, premier ministre, même cabinet premier ministre, ministre, parlementaire, pour autorité ça intervenu bon côté yon l'autre autorité ou bien yon administration pour permettre bénéficiaire joindre avantage ou bien décision favorable. Mais trafic d'influence sans gain droit manifester tout sous forme en particulier qui prend yon l'argent ou bien recevoir promesse l'argent nan men l'autre particulier pour li utiliser influencer bon côté autorité publique qui li même gen pouvoir pour rendre une décision en faveur l'autre monde. D'ailleurs, c'est ça qui expliquait que article 5.9 loi commencer avec une formule générale qui quoque sollicite ou agré des offres dont aux promesses etc. Tout comme c'est une situation en particulier qui adresse à une autorité ou bien un agent public qui par mesure ba les satisfactions directement soit demande là pas entrer dans mission à attribution autorité ça ou bien les pas qu'à satisfaire dans moment mais autorité utiliser fonction pour le servir de pont entre particulier à une autre autorité ou bien administration pour permettre d'y l'arrivée faite. Quelle que soit forme trafic d'influence l'en prend, d'après l'article 5.9 loi 7 mai 2014 là, l'irrité en Zak qui doit punir sorti un an pour 3 ans de prison, accueillamment sorti 150 000 pour jusqu'à 250 000 goudes, en plus pour la justice confisquer l'argent ou bien n'importe autre bagaille qui te bail ou bien qui te promette là. Bien entendu, contrairement à l'autre pays, évidemment sous pression et mobilisation population pays ça yo, tant qu'au pays Brésil par exemple, côté dans date 31 août 2016, Sénat arrivé destitué président Dilma Rousseff dans un dossier trafic d'influence dans cadre scandale corruption compagnie pétrolière Petrobras pendant que la justice inculpait ancien président paysa Luis Lula da Silva dans dossier ça.
dans le pays Corée du Sud, côté dans la date 9 décembre 2016, l'Assemblée nationale pays ça arrivé prononcer destitution présidente Park Geun-hye, toujours dans le cadre d'un dossier trafic d'influence, qui impliquait aux amis proches présidente là, qui est arrivé à utiliser relation amitié avec le président pour te forcer en série d'entreprises balayées 70 millions de dollars et classées dans la poche d'elle. Dans le pays d'Haïti, loi ça a été attendue un jour pour commencer à appliquer. En tout cas, chaque année, l'État haïtien perdit plus par ses 500 millions de dollars américains qui n'est pas arrivé à entrer dans la caisse, mais qui fait route cochue et puis atterri dans la poche escamotée raquette dans tout pouvoir l'État, dans l'administration publique, là, l'argent qui détourné, gaspillé, dépatcha et qui doit utiliser pour développer le pays, dans construire route, toute qualité infrastructure, bâtir l'école, l'hôpital, logements sociaux, mettre de l'eau potable, manger pour tout le monde, joindre pour manger, pour pas être obligé à courir quitter le pays, qui vient tourner en l'enfer pour eux, et puis pral connaître toute qualité brimade avec humiliation dans le pays Brésil, Chili, à République Dominicaine. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Pour tout conseil et suggestion, composez 49 39 79 19 ou bien cliquez sur www.lemotdudoit.net à page Facebook Pacifique FM. Le mot du doigt en route vers un état de droit. Rite branché. Naftouné Tale. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot de syllabes qui a l'ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui a aidé un prochain passer une bonne journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça, la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport mon à mon dans le pays. L'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale. Office national identification, on y tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. On y a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau on y déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis bay au service pressé avec bon gens accueil. Ou doit marcher avec youn nan pièce si la yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec avec acte mariage. Pièce d'identité, si là, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur mon cap fell là. Tant qu'ou, empreinte douette li, empreinte gel avec reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini avec yon piste électronique qui donc, pas une pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide, facile, avec yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résiste à l'eau, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade, doit dégager au coup mettre Jean-Jacques pour gen nouveau 4 avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le tefel là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein. Moun cap vive avec un handicap gain priorité dans tout bureau ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour le faire 4 là. C'était un message Office National Identification ONI. Référence BRH pour mercredi 23 septembre 2020, c'est 75,98 ou 1 dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublié. Taux référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht sous compte Twitter BRH BRH Haïti. Au soir, ou carrelé centre contact BRH la gratis dans 82 74. 75,98 ou 1 dollar américain. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT.
Cadeaux, accessoires, mobilier, bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie non enrelé Pinson SA. Elle n'a pas gagné aucun autre nom. Pas prendre un fromamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Ti Pinson Tête Nob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Ti Pinson Tête Nob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Côté mouno capio rassemblé, bonne nouvelle! T'es là, Haïti rivé au Cap avec 87 chaînes! Mouno Cap pral déchaîné! Passez près de l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là! Ou carrément nous tout! La 2943 3000! T'as dit que depuis l'appli tombé, tout l'autre disparaît! Nous même, t'es là, Haïti, nous venons tout parapli! Avine dit ça! Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. N'a pas déconseillé les migrants pour parler avant de tirer un bateau pour faire voyage dangereux sa yo qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien. Après autorité zile teken kay koste kembe bateau yo tap voyage yo, montre yon l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie nous dans gens de voyage ici là yo. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon demain meilleur pour peuple ya. Et puis nous continuons à travailler pour yon Haïti qui plus sûr, qui gain plus sécurité et puis plus prospère. Chauffeur propriétaire machine qui t'a remé tenté filmer vite machine yo ou bien qui déjà gagne vite machine yo filmer tenté DGI voye faire nous connaît article 10 décret budget 2019-2021 fait nous obligation pour nous passer dans direction générale impôt qui pi près là pour venir payer pour ca joindre autorisation mes documents pour nous porter papier machine là faut qu'on pas doit vignette matricule fiscale permis de conduire pièce d'identité valide ak montant l'argent qui c'est 10,000 goud. Pour institution ak entreprise yo fòk yo pote kitis fiscal ou patente valide, carte d'immatriculation fiscale, papier machine en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10,000 goud la. Pas oublier, autorisation pour vite filmer a pas empêcher la police rete machine nan pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout le monde. Si ou pa gen autorisation DGIA, ou a prend contravention 20,000 goud. Marcher avec autorisation dans machine ou pour pas aller dans raconter et puis payer contravention tête nèg. Maman, car on machine, faut juste crash check, ça c'est sous baou. Boum boum, pas quatre, ça c'est sous baou. Yes, grave mon nèg a du son sous baou. Boum, pas que pendant wash, elle me sous baou. Yes, faut juste crash check, ça c'est sous baou. Boum boum,
Soubaou, mettez-moi, frère, mettez-moi. Quatre chaises, malaise, moule et soir. Qui machine lick, swap, jeune, n'a pris ça. Yon machine japonaise, wadi, konnichiwa. Konnichiwa. Kado châssis, machine de classe. Si c'est toi le vide, regardez-les ma passe. Otome, kado vitesse, kado sécurité. Kote pas qu'à passer, kon soubaou, toujours passer. Fonister, crash check, ça c'est soubaou. Voum, voum, t'es pas quatre, ça c'est soubaou. J'ai fait mon nez, gars du sol, soubaou. Soubaou, pas qu'elle prenne un wacha, aime le soubaou. Soubaou, Fonister, crash check. Sous ta remède gon soubaou, même j'en vem, vin jouen nous nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Woutayoupoa. Téléphone 29-41-25-44 et 29-41-25-45. Et sous net là, automeka.com. Ou gros machine, qui métier ou? Docteur, ingénieur, agronome, comptable, chômeur, machine ou an, lè ou libre. Ou café ou libre? Ou libre son application qui tank ou Uber, que ou téléchargez sous téléphone ou, kap voye passager pour ou. Ou ap touche sans problème, et si tout, ou pas besoin longe mais ak passager pour toucher, qui donc, no contact. Téléchargez kounye a même, application ou libre pour chauffeur. Passager a gen application ou libre qui naï, ou même ou gen application ou libre qui naï. Fais ça kounye, ou ap ka téléchargez sous Play Store ou bien Apple, sa ouè. Et kounye ou nan business. Ou libre pour ka pi libre. W-O-U-L-I-B. Ou libre pour ka pi libre. 49-35-76-76. Chaque dimanche, sorti 11h pour arriver midi, Radio Pacifique a invité au côté Intelligence économique des jeunes. Yon émission capable de comprendre plus bien choix et décision économique yo et de développer l'idée pour mettre propre business au campé et en pile l'autre idée sur ça qui concerne l'économie. Intelligence économique des jeunes, c'est chaque dimanche 11h midi sur Radio Pacifique 101.5 avec économiste Wilshi François. Reprise chaque vendredi 3h après-midi. Émission Intelligence économique des jeunes. N'a pas l'économie, n'a pas compris l'économie. N'a pas compris l'économie. Versus est diplômé, obligé de chômer. Devenu votre people pour aller travailler. Malheureusement, on m'a rapatrié. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous. Nous toutes concernés. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphane Poulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement? Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.7 FM Radio Pacifique. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis, de 1h à 2h PM sur Pacific FM. Impression. Radio Pacifique a invité au côté chaque jour, sorti 11h rivé midi 30, Impression. C'est une émission 90 minutes, côté ou même auditeur, n'importe quoi côté sous la terre, ou capable briller pour bailler impression sur un sujet, un thème qui a fait voix nation arriver bon côté autorité. Un dossier qui a dominé l'actualité. Radio Pacifique n'a pas de tribunal. C'est impression ou même auditeur qui comptait. Rélie pour bail impression, 46 13 10 10, 44 08 10 10. Semi-co libre, sans discrimination, sans contrainte animateur. Radio Pacifique, voix qui bon côté là, dans une autre radio pour un autre pays. Radio Pacifique, qui nous branchez, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau central, Latimouni, Codipé, Foliberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, Epina Diaspora, at même passion. Radio. Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Et
Il est 8h31, bienvenue dans l'avant-dernière partie de cette édition et les informations qui continuent. Oui, nous allons parler politique en violant les dispositions de la Constitution. Jovenel Moïse veut définitivement instaurer un régime totalitaire dans le pays, a déclaré Danerio Syriac, responsable de communication de l'Organisation du peuple en lutte. Mais avant, nous allons parler autre chose. Oui, on va voir ce chapitre économique avec cette circulaire de la BRH, la circulaire 114-2 portant sur les transferts d'argent qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain. La Banque centrale de la République d'Haïti, dans une circulaire en date du 18 septembre, on se le rappelle, rappelle aux maisons de transfert et aux banques commerciales que, et conformément aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 2020, modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et à l'article 161 de la loi du 14 mai 2012, eh bien, les transferts sont tenus de payer en monnaie étrangère si le bénéficiaire le reçoit sur son compte en dollars et en gourdes, s'il le réclame dans n'importe quel bureau sur le territoire national. Et cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Et la Banque centrale rappelle que lors du paiement d'un transfert, les banques et la maison de transfert doivent identifier leurs clients habituels ou occasionnels conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et remettre au client un reçu de la transaction. Et, mesdames, messieurs, écoutez bien, le reçu doit contenir, entre autres, le montant et la monnaie dans laquelle le transfert a été payé, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert, ainsi que l'adresse du point de service ayant effectué l'opération. Les banques et les maisons de transfert sont tenues d'afficher le taux de référence de la BRH visiblement dans leurs locaux. Taux de référence BRH. Haïti, c'est sous taux de référence BRH là à partir de 1er octobre qu'a venir là que bagage ça. Donc ça qui voulait dire toute banque a le même taux. Non pas même banque. Non, on parle de maison de transfert, maison de loi. Ah, okay. Maison de transfert, ça veut dire que si on ne parle pas de transfert dans telle maison de transfert, eh bien, maintenant là, tout le BRH, c'est qu'ils allaient et m'attendre lui. Et il est passé sur Radio, même il est tapé et il faut le un moment. Et Olivier, il y a tout le référence BRH là. On va faire mieux de tout le référence là, Olivier. Ton référence BRH pour mercredi 23 septembre 2020, c'est 75 goud 98. 75 goud. N'a pas rappelé tout le monde. 98. Elle dit, matin là, c'est 75 gouttes 98 et pour tout le monde et qui t'a gagné. Ça veut dire, au monde qui va changer un transfert pour aller plus clair, plus simple pour le monde qui a pu dépasser Fécure, à partir du 1er octobre, qui va prendre un transfert, eh bien. Ça sont véritables désordres. Ça vient plus que deux semaines et moi, avec un zamin talpon comme que vous voyez, c'est 70 gouttes qui ont été bonnes. Non, mais comme ça. Ce sont véritables désordres. Et ça vient deux semaines, alors que je dis à 75 gouttes. Beaucoup mieux octobre. Non, ça c'est toute différence BRH. Oui, justement. Toute différence BRH là, l'a affiché dans la maison de transfert à partir du 1er octobre. 1er octobre, quand vous venez là, si vous voulez prendre un transfert, quel que soit le monde avant de prendre un transfert, ou tout compte toi. Pour compte toi, c'est soit dans les radios pacifiques le matin, ou encore vous montez sur le site BRH là, et puis vous avez un taux de référence BRH là, c'est ça, Banque Lundi, à partir du 1er octobre, quand vous venez là. Elles doivent s'assurer, à savoir les mesures de transfert et les banques, également que ce taux est affiché dans un endroit visible dans tous les points de service gérés par des sous-agents, rappelle la Banque centrale. Les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et faire parvenir à la BRH de manière électronique sous format Excel un rapport trimestriel contenant la liste de tous leurs points de service, incluant les informations, nom du représentant, adresse, volume de transfert payé mensuellement, un délai de soumission au plus tard 15 jours après la fin du trimestre est accordé pour soumettre un rapport journalier sur les montants de transfert à payer. En cas de non-respect des obligations définies
par la présente circulaire, eh bien, l'institution concernée s'expose à une pénalité de 50 000 gouttes par jour d'infraction. Bon, 50 000 gouttes par jour. Et ça a fort. Non, il va tromper. Pas tromper. Ouais. Par rapport à la quantité d'argent, il me dit d'avoir fait 50 000 gouttes par jour pour 10 jours, c'est 500 000 gouttes. Et il va tromper. C'est ça, même pas, c'est qu'il a monté. Il a monté 100, 200, 300 jusqu'à 500 000 gouttes par rapport à des autres, ça pour le cas va finir. Dans le secteur bancaire là, et on attend, et aujourd'hui, et la BRH devrait donner une conférence et de presse, nous pas qu'on est. Si ça a toujours qu'aimé, mais c'est toujours ça qui est pour avec question. De cette circulaire, la circulaire 114-2, M. Saint-Éloi. Revenons sur la déclaration de Dario Cyriac, responsable de communication de l'Organisation du Peuple en Lutte, et qui, d'après lui, en violant les dispositions de la Constitution, Jovenel Moïse veut définitivement instaurer un régime totalitaire dans le pays. Avec ce nouvel arrêté, Jovenel Moïse ne fera qu'enfoncer le pays dans la crise, estime Dario Cyriac. On l'écoute. Pour nous parler directement sous bagaille. Président Jovenel Moïse l'IFEA, alors moi-même, m'a bien abstenu pour ne pas parler de formation de conseil électoral. Parce que ça, M. Jovenel fait, c'est pas un conseil électoral l'informé, c'est un lot G9 qui mettait en place. Avec 9 mounes, avec 9 malfaiteurs. D'accord? Étant donné que c'est un pouvoir délinquant, un pouvoir de voyou, qui va être pris en seule mission, c'est détruire le pays et au profit de l'enrichissement illicite de petit groupe et puis en complicité avec l'aile de mafia internationale. Et donc, ils sont à l'aise pour être capables de faire un bagage comme ça. Donc, c'est pour la première fois dans le pays, après 86, où ils ont gagné un président. Qui est à l'aise pour le prendre constitution, limiter de côté, limiter toute loi de côté, et puis les mêmes jours que les former conseil électoral, la émission pour faire référendum. Il y a un bagage que la constitution interdit formellement, et il y a une prérogative que aucun président n'a gagné dans le pays, même s'il est à légitimité, à suivre, et marche politique président Jovenel Moïse, qui est à préparer là, pour déclencher une machine dictatoriale dans le pays, nous avons déjà pris des dispositions pour que nous-mêmes nous mettions en mesure pour nous stopper. Et de fait, donc c'est ça qu'a fait dans la société, c'est ça qu'a fait au niveau de classe politique là. Et moi, bien content, nous avons à le promener micro, nous, dans la rue, pour nous faire citoyen au palais. Et on va suivre que même discours que moi-même m'a prononcé là comme responsable politique, c'est discours sa population gagne tout. Population dit où il n'y a pas besoin d'élection avec Jovenel Moïse, élection pas possible dans le pays avec Jovenel Moïse, avec CHTK, il y a besoin d'un pouvoir de transition de rupture. D'autre part, le responsable de communication de l'OPL déclare que la société entière ne doit pas accepter de tels agissements du pouvoir en place. Dario Cyriac en a profité pour lancer un appel à l'unité entre les acteurs de l'opposition pour faire échec au nouveau plan de l'exécutif. On l'écoute. Jovenel Moïse, de fait, il est arrivé au pouvoir et il a gagné un pouvoir dans la main. Il a gagné un temps pour lui faire tout ça qu'il n'a pensé. Et dans la limite capacité, bien entendu. Donc, nous ne pouvons pas mentir, il y en a qui gagnent pouvoir dans le même qui pas gagné, qui arrivé crasé parlement, donc qui sur un pouvoir pour col et qui gagne contrôle et toute une police nationale, li instrumentalisé, qui a pu faire répression pour lui, qui a pu shooter et élève l'école en uniforme pour lui dans la rue, qui a revendiqué. Qui a demandé professeur pour le travail. Donc, il y en a qui arrivent à construire un paquet de gangs dans le pays, les fédérer. Maintenant qu'on est là, la recherche met tout le monde sous la pérèse. Donc, ils savent les gains mal de main pour faire un certain nombre de choses. Maintenant, c'est ça qui est expliqué. Maintenant, tant qu'il est long que classe politique a besoin, opposition besoin,
Donc, ensemble de secteurs dans la vie nationale là, qui opposés à régime, là, donc qui opposés et à dérive Jovenel Moïse, yo, pour capable de faire échec à lui-même. Mais je dis à la, ça nous gagne dans les noms et qui ça n'a fait libérer l'autre bagaille. Que la concertation la plus large possible au niveau de la société, c'est la rencontre de tous les politiques de l'opposition. Donc c'est et la conjugaison et la, l'échafaudage d'abord des pensées et la construction d'une vraie force réelle autour de yon même projet, de yon même vision qui s'est accouché le plus vite possible. Il y a un accord politique global, tant que citoyen tapement de l'équivalent et mène un pays à dans une transition de rupture, et accord politique global, ça, tout est gagné. Il y a un accord là-dedans et qui a permis de nous former un pouvoir de transition qui a gagné pour remplacer et régime PHTK. Voilà pour les déclarations de Daniel Siriac. Parlons autre information. Prestation de serment ce mardi 22 septembre du protecteur du citoyen adjoint maître Amos Auguste à la Cour de cassation. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du protecteur du citoyen maître René Idouville et des responsables d'organisation de la société civile. Dans son discours, maître Auguste a promis de soutenir la lutte pour le respect des droits des citoyens haïtiens aux côtés du responsable de l'OPC. Les propos d'Amos Auguste au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et de Joseph-Philippe François. Les principales attributions de l'OPC consistent à s'assurer du respect des normes minimales applicables en matière de justice et de détention en particulier. Malheureusement, le constat en matière du respect des garanties judiciaires est alarmant selon les données statistiques disponibles. Il y a lieu de souligner à votre attention, honorable magistrat, que la justice demeure un maillon incontournable en matière de la jouissance effective des droits fondamentaux. Toutefois, sans un pouvoir judiciaire fort, accessible et réellement indépendant, on ne parviendra jamais à l'établissement de l'état de droit dont nous rêvons tous. Dans cet esprit, et au regard des orientations stratégiques de l'OPC, je m'engage à accompagner le protecteur du citoyen dans cette lourde responsabilité, tout en poursuivant ses efforts de plaidoyer en faveur d'une justice forte, indépendante, capable de garantir la jouissance effective des droits fondamentaux. Cela se fera certainement dans le cadre d'une collaboration harmonieuse. Honorables magistrats, mesdames, messieurs, distingués invités, je vous donne la garantie que je me mettrai à la hauteur de mes responsabilités en vertu des engagements que je viens de prendre par devant votre auguste assemblée, honorable magistrat. Je vous remercie. Pour sa part, le commissaire du gouvernement après la Cour de cassation, Carves Jean, a exhorté le protecteur du citoyen adjoint Amos Auguste de s'armer de courage et de civisme afin de remplir à bien sa mission. Le chef du parquet à la Cour de cassation a aussi encouragé Monsieur Auguste a travaillé en harmonie avec le protecteur du citoyen René Deville dans le but de défendre la cause des citoyens. Toutes les institutions haïtiennes sont tenues de respecter les lois du pays, obéir aux principes. Telle est l'obligation face à laquelle nous, les magistrats, nous nous retrouvons quotidiennement. Il s'agit également d'évoquer l'importance de la mission qui vous attend, Monsieur Auguste, dans cette nouvelle fonction. Pour utiliser un langage connu, vous êtes désormais le numéro 2 à l'Office de protection du citoyen.
le protecteur adjoint du citoyen. En tant que chef du parquet, près de la Cour de cassation, je vous exhorte à vous armer de courage et de civisme afin de pouvoir remplir vos tâches à la satisfaction de tous et de chacun. Il vous faudra commencer par bien identifier, travailler en harmonie avec le protecteur du citoyen et de la citoyenne, obtenir la collaboration de tout le personnel de l'OPC. À travers les deux dirigeants de cette prestigieuse institution, le citoyen doit pouvoir trouver de réels protecteurs. Plus que jamais, soyez donc prêts, messieurs Amos Auguste, à vous engager dans le combat inlassable pour le respect des droits du citoyen et de la citoyenne. Avec la loi comme boussole, faites preuve de la plus grande motivation et même d'un esprit d'acharnement dans une bataille. 8h47 minutes, le temps d'observer notre deuxième pause. BNC et Cam Transfer décident de marier compétences et expérience pour résoudre problème transfert. À partir de jeudi à même, ou Caman des Formons, Axamou ou Kilote Bodlo, pour faire tout transfert pour vous dans Cam Transfer. Vous êtes capable de venir prendre dans BNC sans problème. Ou bien, tout faire déposer sous compte de la BNC. C'est le côté où vous avez garanti que vous avez un plus bon service. Et pas bonne nouvelle, vous avez demandé, mais bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Est-ce que vous connaissez quatre côtés où pour aller, pour plus libre, pour pas obligé de sortir avec machine si tout si vous avez braille boué, m'a parlé de Woulib. Woulib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application à côté où vous êtes. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous allez. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième témoin, ou ap confirmer qui modèle machine ou vle monte ya. Mais cause ya, déjà gon modèle machine à tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou an. En plus, ou ap wè photo chauffeur ak machine qui vin chercher ou la. Y sak pire de la, ou ap déjà connaît combien coûte la ap coûte ou depuis en vent même yo vin chercher ou. Ou ap ka payer cash ou bien ak carte. Téléchargez kounye a même application Woulib la, W-O-U-L-I-B. Woulib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelque là où qu'on besoin son petit monsieur, oh, son tête chargée. En puis, gon question de, m'pagne monnaie, madame, ça fini. Woulib, pour Kapilib. 49 35 76 76. Électricité, son bagage courant, mais bon, ici, c'est rare. Il y a deux jours, même lumière ou pas, ouais. C'est pas rien, non? Tu bignes au grand monde. Tu fais ça à l'hôpital. Alors, nous-mêmes, les usagers du blackout, agissons grand monde. Alpon Delco Kubota, dans Automeka, sur route à l'aéroport. Dans n'importe zone, côté Gon Delco Kubota, blackout, tu n'as pas qu'à réunir deux hommes en bon poteau électrique. Blackout avec lumière, c'est deux bagages qui n'ont pas qu'à mêler. Si vous avez un mêler, démêlez vite, Alpon Delco Kubota, dans Automeka. Souvelez, ouais, côté un blackout, chata. Lumon Kubota. Automeka, 22, route de l'aéroport, 29 41 25 44, 29 41 25 45. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Radio Pacifique, Kinonou, branchez, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien, Pacifique FM. Plateau central, Latimouni, Port-de-Paix, Fort Liberté, Pacifique FM. NIP, Jacmel, Epina Diaspora, ak men pasyon. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier.
Il est 8h51 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans la page internationale du journal. L'opposition a beau s'époumoner au Bélarus, sans contestant, sans cesse dans la rue. Le résultat de l'élection présidentielle du 9 août dernier, Alexandre Loukachenko, n'en a que faire. Parfaitement réélu aux yeux de ses partisans officiellement par 80% des voix, eh bien, le chef de l'État a prêté serment ce mercredi pour un sixième mandat. L'agence étatique Kabelta a toutefois révélé que la cérémonie d'investiture s'est tenue dans le plus grand secret. Selon l'organe de presse, Alexandre Loukachenko a dit sa fierté dans son discours prononcé devant des responsables soigneusement triés sur le volet. Il a vanté tous les mérites du scrutin. Nous n'avons pas seulement élu un président, nous avons défendu nos valeurs, la vie dans la paix, la souveraineté et l'indépendance du pays. Les responsables de l'opposition se doutaient toutefois qu'un événement était en préparation. Bizarrement, l'avenue principale de Minsk, la capitale biélorusse, avait été fermée au public ce matin. Un cortège présidentiel avait parcouru à toute vitesse et de nombreuses forces de l'ordre avaient été déployées autour du bâtiment présidentiel. Sur la messagerie Telegram, l'opposant en exil Pavel Latouchko a dénoncé un simulacre de prestation de serment. Selon lui, eh bien, le président sortant fait de son investiture une opération des services spéciaux sous protection des forces anti-émeutes et dans le secret, a-t-il déclaré. Alors que la Chine et les États-Unis s'échappent à l'ONU sur le climat et le virus, la Chine a accusé mercredi les États-Unis d'être une sérieuse entrave à la lutte contre le réchauffement climatique après un affrontement à distance de leurs dirigeants à l'Assemblée générale de l'ONU dans un climat de nouvelle guerre froide. Les États-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi Jinping ont affiché mardi au grand jour leur désaccord sur de nombreux sujets, coopération internationale, gestion de l'épidémie, de nouveaux coronavirus et réchauffement climatique. Les Nations Unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes au début de la COVID-19, a lancé le président américain à l'ouverture de cette grande messe diplomatique annuelle virtuelle en raison de la crise sanitaire. Il a accusé la puissance rivale d'avoir laissé le virus chinois, une formule qui suscite l'ire de Pékin à infecter le monde. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est quasiment contrôlée par la Chine, ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuves de transmission humaine, a-t-il déploré dans une vidéo enregistrée, justifiant ainsi le retrait des États-Unis de cette agence de l'ONU. Le milliardaire républicain, dont la gestion de COVID-19 très contestée, pèse sur ses chances de réélection à l'élection du 3 novembre, a promis de distribuer un vaccin et mettre fin à la pandémie pour entrer dans une nouvelle ère inédite de prospérité, de coopération et de paix. Puis en Allemagne, il faut dire que Alexei Navalny sort de l'hôpital de Berlin sans séquelles apparentes après son empoisonnement. Alexei Navalny s'en sort vraiment bien, oui. Le principal opposant au président russe Vladimir Poutine a quitté le grand hôpital de la Charité à Berlin où il avait été admis pour empoisonnement il y a tout juste un mois. Les médecins allemands qui l'ont suivi sont optimistes, estimant que son rétablissement complet est désormais possible. L'état de santé du patient s'est amélioré au point que les soins intensifs ont pu être interrompus au vu du déroulement du traitement à ce stade et de l'état actuel du patient. Les médecins considèrent qu'un rétablissement complet est possible. Il faut dire que Alexei Navalny apparaît encore amaigri, le visage émacié à la suite de cette lourde épreuve. Sur la messagerie Instagram, il a indiqué, et d'ailleurs, qu'il a encore beaucoup de rééducation à effectuer avant de retrouver une vie normale après son malaise au cours d'un vol survolant la Sibérie le 20 août dernier. Son entourage avait rapidement dénoncé un empoisonnement. Une fois cueilli dans la capitale allemande, des services spécialisés de l'armée ont révélé que des traces de Novichok, un puissant neurotoxique mis au point du temps de l'Union soviétique, apparaissaient dans l'organisme de l'opposant au Kremlin. Peu après, des laboratoires français et suédois ont confirmé la terrifiante découverte.
Bon, une nouvelle insolite, mais c'est réel. Trump s'acharne contre John McCain, sénateur républicain décédé. Visiblement furieux du soutien de sa veuve à Joe Biden, Donald Trump s'en est pris mercredi avec virulence à John McCain, figure républicaine du Sénat décédé en 2018. Dans un tweet à la tonalité particulièrement moqueuse et agressive, le président américain a une nouvelle fois attaqué celui qui fut l'un des rares dans son camp à le critiquer ouvertement. Je connais à peine Cindy McCain, au-delà du fait que je l'ai nommée dans une commission à la demande de son mari, a lancé le milliardaire républicain qui probablement briquera le 3 novembre un deuxième mandat de 4 ans. Joe Biden était le sbire de John McCain, a-t-il ajouté en évoquant son adversaire démocrate avant de dénoncer les mauvaises décisions sur les guerres sans fin de l'ex-sénateur. Je n'ai jamais été admirateur de John. Cindy peut avoir Joe l'endormi, a conclu le 45e président des États-Unis. Le soutien de Cindy McCain à Joe Biden annoncé mardi est un revers pour Donald Trump qui se targue d'avoir toute la famille républicaine derrière lui. Nous sommes républicains, oui, mais des Américains avant tout. Il n'y a qu'un seul candidat dans cette campagne qui défend nos valeurs en tant que nation. C'est Joe Biden, a déclaré la veuve de l'ancien sénateur. Ben, il est déjà 8h58, on va fermer cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez avec nous. Vive Haïti, c'est bien dans un instant. Vous êtes sur Radio Pacifique. Pacifique. Rete branché. N'a tourné talent. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 0303. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Si vous êtes abonné à Canal Plus, passez par abonnement. Avant, si vous allez couper pour jouer, c'est même qu'il est content. Et puis, vous passez par abonnement avant l'air. C'est même qu'il est content. Vous jouez en pichette gratis pendant 7 jours. C'est même qu'il est content. Canal Plus, Canal Plus, yeah. C'est même qu'il est content. Ça va attendre pour tout abonner. C'est même qu'il est content. Quand j'ai payé avant l'air. Et puis gardez Bibli Chaîne pendant 7 jours grâce à Semaine qui est content. Semaine qui est content disponible dans tout boutique à la distribution Canal Plus. Pour toute information sur l'adresse nous dans Port-au-Prince, la province, il est dans 2946 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haïti.com. Qui sort ce dim la magie? Comme quoi, en plus d'accéder à mes comptes, je peux aussi payer mes fournisseurs et n'importe qui a un compte à la Unibank. Mais oui, Sandra, c'est le service Pay Anyone de Unibank Online.
Avec ton PIN de sûreté et en un simple clic, tu fais un virement sur le compte de ton choix avec Unibank Online et c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas tout, ma chère. Ah oui? Gain toujours? Mais oui, ma chère. Avec le service Pay Anyone, tu as plusieurs options. Tu peux faire un virement ponctuel ou le programmer à une date ultérieure. Tu peux également effectuer des paiements automatiques en fonction de tes besoins. Liguez-toi chaque mois ou bien j'envelais l'an pour t'envelais l'an. Ah, avec le service Pay Anyone de Unibank Online, je gagne du temps et plus question d'être en retard sur mes paiements. Unibank Online, c'est simple, rapide et pratique. Pour bénéficier du service Pay Anyone de Unibank Online, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le www.unibankit.com. Le choix est clair. Les produits Clarisse sont enfin disponibles en Haïti. Électricité, son bagage courant, mais boy, c'est rare. Gè de jou, même lumière ou pas, ouais. C'est pas rien, non? Tu bignes au grand monde. Je fais ça à l'hôpital. Alors nous-mêmes, les usagers du blackout, agissons grand monde. Alpon Delco Kubota dans Automeka sur route à l'aéroport. Dans n'importe zone côté Gondelco Kubota, blackout, tu pas qu'à réunir deux hommes en bon poteau électrique. Blackout avec lumière, c'est deux bagages qui pas qu'à mêler. Si yon a dans le mêler, démêler vite, Alpon Delco Kubota dans Automeka. Souvelez, ouais, côté un blackout à chata. Lumon Kubota. Automeka, 22, route de l'aéroport, 29 41 25 44, 29 41 25 45. Combien de fois vous dites un prochain merci parce qu'il t'a aidé? Combien de fois vous dites parents merci pour ça vous fait pour vous? Combien de fois vous dites merci les gens qui rendent un service? Toujours songez dit merci à les gens qui fait bien pour vous. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport moun ak moun dans le pays. Ya. Ton référence BRH pour mercredi 23 septembre 2020, c'est 75,98 ou 1 dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Ton référence BRH calculé et puis publié pour journée, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, ton référence là disponible tout le temps sur site BRH là, www.brh.ht, sur compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit au carré les centres contact BRH là gratis dans 82 74. 75,98 ou 1 dollar américain. Chaque dimanche, sorti 11h pour arriver midi, Radio Pacifique a invité au côté Intelligence économique des jeunes. Yon émission capido comprendre pi bien choix ak décision économique yo et do développer l'idée pour mettre propre business ou campé ak en pile l'autre l'idée sur ça qui concernait économie. Intelligence économique des jeunes, c'est chaque dimanche 11h midi sur Radio Pacifique 101.5 ak économiste Wilshie François. Reprise chaque vendredi 2h-3h après-midi. Émission Intelligence économique des jeunes, n'a pas l'économie, n'a comprend l'économie. N'a comprend l'économie.